you guys see? Can you see? You got it. Bonjour tout le monde! Prenez le temps d'arriver. Ce midi, on va faire un pilates ensemble, un pilates pour tous. Vous allez peut-être avoir juste besoin d'une bande élastique. C'est pas nécessaire à notre entraînement d'aujourd'hui, mais si vous en avez, c'est toujours intéressant d'en avoir une pour augmenter le niveau de difficulté de notre entraînement. J'en profite pour m'excuser hier de ne pas avoir été là pour nos entraînements prévus. On avait stretching et yoga power flow que j'ai dû annuler à la dernière minute parce que on s'est procuré un petit animal de compagnie, un charmant petit chaton. Et mes yeux n'ont pas aimé ça. En fait, je suis venue vraiment bouffie. J'avais plus de yeux, en fait. Fait que c'est ça. En fait, j'ai dû annuler parce que j'ai fait une crise d'allergie. Je ne sais pas trop c'était quoi. Mais voilà, je suis là aujourd'hui, d'où la raison pourquoi j'ai mes lunettes. Tout à l'heure, je vais les enlever, je vais absolument rien voir. Je suis complètement aveugle sans mes lunettes. Donc, ça se peut que je vienne voir le chat pour voir si vous m'avez écrit. Faites-vous-en pas, là, si je me colle la face complètement, c'est juste parce que je vois absolument rien. Je vais en profiter pour vous introduire Monsieur Dobby. Petit Dobby qui a 2 mois. Il est bien gentil, il est vraiment adorable. Hein? As-tu du pilates avec nous aujourd'hui? Alors voilà, dans le fond, pas besoin de grand matériel aujourd'hui, juste un tapis. Vous allez avoir besoin peut-être, comme je disais, d'une courroie. Plutôt une bande élastique. Il en existe des comme ça ici, comme un peu un élastique de brocoli, j'aime dire. Mais il existe aussi les bandes élastiques qui sont longues. Donc si vous préférez prendre une bande élastique longue, c'est correct aussi. Ça va nous servir principalement pour le haut du corps, les bras. Alors voilà pour ce qui nous attend aujourd'hui. On va travailler beaucoup les abdominaux, comme à l'habitude, les jambes, mais également, on va essayer d'aller travailler les muscles du haut du corps. Donc, nos muscles posturaux. Bonjour! Hein? Quoi qu'on fait là? Alors, prenez le temps là, d'arriver. J'espère que vous allez bien également. Je ne sais pas si il fait soleil par chez vous. Nous, ici à Québec, belle journée ensoleillée. On va en profiter pour aller prendre l'air après le cours. Je vais juste aller voir là, quelle heure il est. Parce qu'on va essayer de commencer ça rapidement. OK, on commence ça dans 4 minutes. 4 petites minutes. Salut Sylvie! J'ai acheté le mien qui est la nôtre. Il y a. Donc, ça se peut que vous voyez une petite boulette de poils là, qui passe puis qui joue à travers la séance. Là. Il est un petit peu à la découverte du sol présentement. Les élastiques, c'est bon. Donc, pour ceux qui arrivent, là, parce que là, il y en a qui se connectent et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Bon, tu es en train d'explorer le dessous du divan. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, comme je disais, aujourd'hui, séance de pilates pour tous, on va avoir besoin d'une bande élastique qui peut être style élastique brocoli, comme ça. Ou vous pouvez avoir aussi les bandes élastiques longues. Là, donc, si vous avez déjà fait de la physiothérapie, puis vous avez ces bandes élastiques-là, c'est parfait. Première fois pilates, j'ai fait du yoga normalement. Bienvenue Julie, j'espère que tu vas apprécier ta séance d'aujourd'hui. Ça va être un cours qui va être pour tous en fait. Donc je ne veux pas non plus tomber dans un entraînement intermédiaire. On va revisiter les bases du pilates, mais on va quand même aller intégrer là, des exercices qui vont travailler finalement. Là. Mais faites-vous-en pas, là, ça va être accessible pour tout le monde. Merci pour le petit commentaire du chaton. Il est vraiment mignon, il est vraiment gentil. Donc, préparez-vous bientôt à commencer.
Vous allez juste avoir besoin de votre tapis en élastique. T'es-tu prêt, Nobby? On s'en va-tu faire notre pilates? Alors, bonne séance, tout le monde! Pour ceux qui font du pilates pour la première fois, comme je vous dis, ça va être accessible à tous. Pour ceux qui sont habitués, sachez que ça va travailler quand même, puis que je vais vous offrir des options pour augmenter un petit peu l'intensité de l'entraînement. Alors voilà, bienvenue à tout le monde qui se connecte tranquillement. Sachez que si vous n'avez pas le temps de le faire complètement ce midi, ou vous désirez tout simplement le faire plus tard, là, il va être enregistré sur ma page professionnelle Facebook. Puis j'essaie aussi, quand c'est possible, de les enregistrer puis de les mettre sur ma chaîne YouTube également. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les deux endroits là, pour être capable de refaire vos entraînements. Donc, c'est parti! On va commencer ça, cet entraînement-là. Donc, gardez votre bande élastique pas très loin. On va débuter couché sur le dos pour venir activer les muscles de l'abdomen. Pour venir activer également notre colonne vertébrale, parce que la colonne, c'est super important de sentir que le mouvement est propice pour les exercices de pilates. Donc, on va commencer par se connecter avec notre respiration, se connecter au mouvement de la mobilité de la colonne vertébrale, puis ensuite, on va intégrer nos mouvements tranquillement. Donc, en posture couchée sur le dos, les bras qui sont longés près du corps, on passe à venir ouvrir nos épaules, à venir ouvrir nos clavicules vers le plafond. Vos pieds sont déposés contre le sol à peu près à la largeur de votre bassin. Et ce qu'on va faire ici, c'est de venir faire un exercice où on va comprendre la mobilité de notre bassin. Donc, on va venir arquer le dos, on vient creuser un trou dans le bas de notre dos, puis ensuite, on engage nos abdominaux profonds, en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. On vient complètement plaquer notre bas du dos contre le sol. Donc, on va venir passer entre les deux extrémités de la mobilité au niveau lombaire. On vient arquer. Donc, quand on vient arquer, c'est une antéversion du bassin qu'on fait. Puis ensuite, si on vient faire notre rétroversion du bassin, on vient engager les abdominaux profonds, os pubiens qui se tournent vers le nombril. Ça vient chercher le transverse et ça vient également engager notre plancher pelvien. Donc, on y va comme ça, tranquillement, en pensant également inspirer puis expirer profondément. Sachez que quand vous expirez, on vient engager ce qu'on appelle le muscle transverse. Donc, on peut-être ici inspirer en basculant, en venant creuser le bas du dos, puis expirer en venant rentrer le nombril vers la colonne vertébrale. Donc, dans tous les exercices que vous allez avoir à faire aujourd'hui, sachez que lorsque vous expirez, il y a une contraction musculaire au niveau abdominal. C'est ça qu'on recherche. On arque, on ramène, on plaque. Et on va revenir en position neutre. Donc, en position neutre, ça veut dire qu'il n'y a pas de courbe. On ne vient pas accentuer la courbe dans le bas du dos. On ne vient pas non plus plaquer le dos contre le sol. La courbe naturelle, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le terme, c'est en fait de respecter la courbe naturelle de notre dos. On ne force pas rien. Et on essaie d'engager nos abdominaux ici dans le but de venir stabiliser notre tronc. Et on va commencer par venir soulever notre jambe droite du sol en position tablette. Donc, il y a une flexion du genou de 90 degrés et il y a également une flexion de 90 degrés entre la hanche et l'abdomen. Ici, on va venir déposer tranquillement le gros orteil contre le sol, on ramène. L'objectif ici de cet exercice-là, c'est simplement de comprendre qu'on est capable de garder la courbe naturelle dans le bas de notre dos tout en engageant nos abdominaux. Ça nous prend quand même un bon coring pour être capable de faire ça. Si on n'engage pas les abdominaux, c'est là que, en venant bouger notre jambe, bien, il risque d'avoir du mouvement au niveau du bas du dos, au niveau du tronc. Es-tu d'accord avec ça, Dobby? Oui, hein? Ah, OK. Donc là, on continue comme ça. On va garder la jambe droite pour travailler, mais on va compliquer un petit peu la chose. On va venir allonger notre jambe et visser la cuisse vers l'extérieur. Ce que ça fait ici, c'est que ça va venir chercher du travail au niveau de nos fessiers. Gardez encore la courbe naturelle dans le bas de votre dos. Gardez les abdominaux engagés. On descend en contrôle. On essaie de venir tracer une grande ligne du plafond
vers le sol en contrôlant ce qu'on fait, toujours en gardant la cuisse tournée vers l'extérieur. Donc ça va nous permettre, comme je vous disais, de venir engager les muscles du bassin en même temps qu'on engage nos abdominaux. Descendez en contrôle, on remonte. Et ici, ce que vous pouvez faire, là, c'est expirer en descendant la jambe parce que ça vous demande un plus grand travail au niveau abdominal. On remonte à l'inspire. Expirez. On inspire en ramenant. Expire en descendant. Inspire en remontant. On est dans notre échauffement présentement. C'est vraiment juste pour intégrer les mouvements, les concepts de base. On va venir faire la même chose pour la jambe gauche maintenant. Pensez à garder le haut du corps bien plaqué contre le sol. Donc, il ne devrait pas avoir de creux qui s'installent au niveau de la région thoracique. D'accord? Les abdos toujours bien engagés. On pense à rentrer le nombril vers la colonne. Ça vient vraiment là, renforcer ou tonifier votre ventre. Mais également, vous allez sentir que les abdos sont engagés. Le ventre est dur. On descend, gros orteil contre le sol, remontez en flexion 90 degrés, en position tablette, comme on appelle, en pilates. Descend, remonte. Et faites l'expérience, si vous gardez la flexion dans votre genou, que vous revenez toujours en position tablette, en respectant le 90 degrés d'angle, vous allez constater que ça travaille beaucoup plus fort que si vous descendez et que vous ramenez près de l'abdomen. Quand on ramène près de l'abdomen, le bas du dos veut s'aplatir, il y a comme un relâchement également au niveau des muscles transverses. Ça devient plus facile finalement. Donc, essayez de conserver cet angle-là de travail pour vous permettre toujours de garder du travail au niveau abdominal. On vient maintenant allonger notre jambe gauche vers le plafond, on la visse vers l'extérieur et tranquillement, en gardant les fesses bien engagées, imaginez que les deux os des fesses veulent se rapprocher un de l'autre. On pointe vers le plafond. On descend. Et là, vous avez le choix ici de pointer le pied. Vous pouvez également le garder en position plat si vous désirez aller chercher un étirement en arrière de la chaîne postérieure. Ce n'est pas nécessaire soit de pointer ou de garder le pied plat. C'est vraiment à votre discrétion. C'est sûr que c'est plus cute avec le pied pointé, mais ce n'est pas grave. Donc, on y va. Toujours en gardant les fesses bien engagées. Le bas du dos en courbe naturelle. On y va pour un dernier. Et là, cette fois-ci, on va amener les deux jambes en position tablette. Essayez d'imaginer que vous avez un ballon pris entre vos deux cuisses. On veut venir serrer dans notre ligne centrale. Quand on parle de ligne centrale en pilates, c'est toutes les... c'est qu'on veut venir serrer de l'intérieur de nos chevilles, l'intérieur de nos genoux, au niveau du nombril jusqu'au niveau de notre nez. Donc, on imagine ramener tous nos muscles, toute notre force vers notre centre pour faire en sorte qu'on soit stable dans nos exercices. Donc, on va descendre les deux orteils maintenant ensemble. On descend et on remonte. Descendez en contrôlant ce que vous faites. On remonte. Gardez toujours votre flexion de 90 degrés autant dans vos genoux qu'au niveau des hanches quand vous remontez. Pensez à garder les épaules basses également. On descend. Et on remonte. On peut expirer en descendant. On inspire en ramenant les jambes en position pilates. On y va deux derniers comme ça. Et maintenant, on va venir allonger les deux jambes. Les jambes qu'on va visser vers l'extérieur. Donc, les cuisses sont tournées vers l'extérieur. On engage nos fesses, serrez-les le plus possible. Et ici, un peu comme on a fait tout à l'heure, on va descendre une jambe à la fois vers le sol. Donc, on descend, on remonte, on vient frotter les deux cuisses une contre l'autre pour venir activer la ligne centrale, puis on contrôle la descente. Ici, on est toujours dans notre échauffement. Allez-y lentement en contrôlant bien ce que vous faites. On veut que les cuisses soient à la verticale. Essayez de ne pas les rapprocher trop de votre ventre. Ce que ça veut dire, c'est que si vous ramenez les jambes trop près comme ça, il y a beaucoup moins de travail au niveau abdominal. Donc, on descend et on remonte. Et ce, même si ça vient travailler beaucoup plus les abdominaux, ce qu'on recherche ici, c'est de venir également engager les fessiers. Donc, on squeeze les fesses, on remonte. Plus on va engager de groupes musculaires à la fois, plus vous allez être stable dans ce que vous faites.
Encore une fois, si vous descendez les jambes et que vous sentez que le bas du dos décolle, réduisez votre amplitude de mouvement. Super important. On veut là, qu'ici, il y ait du contrôle dans ce que vous faites. On ne veut pas que quand les jambes descendent, que le dos suive. C'est les abdominaux qui sont engagés qui vont permettre de garder ça bien stable. Excellent tout le monde. On va redéposer les pieds au sol. Salut Dobby. Et là maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir réchauffer au niveau de la colonne cervicale. Head nods, ce qu'on appelle l'exercice head nods, c'est simplement pour comprendre ici, dans nos mouvements, que quand on va soulever la tête du sol, il faut absolument venir engager les muscles du cou. Okay? Au lieu de forcer du cou, on va venir adopter une posture où le menton est rentré dans la poitrine pour protéger le cou. Donc, c'est comme si on faisait finalement un oui. Ramener le menton vers la poitrine, soulever le menton vers le plafond, on redescend vers la poitrine. Et là, si on combine un autre mouvement ici, vous allez rentrer le menton vers la poitrine, garder ça collé, on soulève la tête, soulève les omoplates. Et on redescend. Head curl ici, on relâche. Tirez le menton vers la poitrine, enroulez-vous. Donc, c'est un exercice ici où on vient articuler chacune des vertèbres, une par rapport à l'autre. Et ce qui va faire que c'est les abdominaux qui vont travailler pour soulever le haut du corps et non pas le cou qui va forcer. Pensez encore une fois à garder les épaules bien ouvertes. On s'enroule, on descend. On s'enroule, on descend. On y va encore deux fois comme ça. C'est vraiment juste pour que vous compreniez le mouvement à faire lorsqu'on va avoir à soulever la tête. Un dernier. Excellent. De là maintenant, je vous invite à soulever les omoplates, soulever les jambes, presser dans votre ligne centrale et on vient faire des battements de bras comme ça ici pour notre centaine. Les genoux sont à 90 degrés de flexion. Nos jambes sont à 90 degrés de flexion également avec notre bassin pressé vers le sol. OK? Ça vient de nos épaules le travail. Donc, on presse. Prenez le soin de respirer dans votre exercice. On inspire en 5 battements. On expire en 5 battements. Moi, j'ai un petit personnage qui me complique la vie un petit peu en ce moment. Inspire en 5. Expire en 5. Allez, on lâche pas. Pensez à vous enrouler davantage, à tirer les côtes vers le bassin. Le menton qui est toujours plaqué contre la poitrine. Là. On continue de presser. Le mouvement est vigoureux au niveau des épaules. Et là, toujours en pressant dans votre ligne centrale, c'est-à-dire qu'on vient serrer les fesses, serrer l'intérieur des cuisses une contre l'autre, on va venir allonger les jambes et visser les cuisses vers l'extérieur. On continue toujours dans notre centaine. Le mouvement part des épaules pour ce qui est des bras. On imagine qu'on dribble avec nos mains. Il n'y a pas de petits mouvements mou au niveau des poignets. Continuez de vous enrouler, de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale pour que ce soit le transverse qui travaille plutôt que le grand droit de l'abdomen. On inspire. On expire toujours. On y va encore pour 2 cycles. 5 secondes, j'inspire. Essayez de soulever davantage les omoplates du sol. Expire. Une dernière fois. Super. On dépose les pieds au sol. D'ici, je vous invite à allonger les jambes. On va amener également les bras pour commencer au-dessus de la tête. Le bas du dos est en position neutre. On tire le menton vers la poitrine. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. Le regard est toujours dirigé vers le nombril. On vient faire une flexion du corps vers l'avant. Les jambes sont bien allongées. Et là, maintenant, en expirant, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Et on articule chacune des vertèbres une après l'autre pour dérouler en contrôle. Amener les bras au-dessus de la tête, mais créer de la longueur. On est dans l'exercice du roll-up ici. On s'enroule, les côtes se rapprochent du bassin. On vient chercher de la longueur vers l'avant. Le regard est toujours dirigé vers le nombril. Entre le nombril vers la colonne, en expirant, déroule. Les épaules sont basses. On veut que les omoplates soient dirigées vers les fesses. Lorsque vous revenez vous coucher contre le sol, c'est normal que le bas du dos soit en position neutre.
On revient, on s'enroule encore une fois. Allez chercher loin vers l'avant. Essayez de garder les jambes bien allongées, les orteils tirés vers votre visage. Squeezez les fesses également pour vous stabiliser dans votre exercice. On déroule. Une vertèbre à la fois. On y va comme ça encore pour deux derniers. On s'enroule. C'est les abdominaux qui tirent pour vous soulever, non pas votre cou. Rappelez-vous de ça. On déroule tranquillement, contrôle. On veut sentir que chacune des vertèbres se dépose une à la fois contre le sol. Dernière fois ici, on enroule. On vient s'asseoir. On vient chercher loin vers l'avant. On déroule tranquillement. Et on vient se coucher, les bras près du corps. On va soulever la jambe droite vers le ciel. La jambe gauche, elle reste au sol et elle est active. Ça veut dire qu'on presse notre talon, on presse l'arrière de notre jambe contre le sol. Nos fesses sont engagées, on squeeze les fesses. Ici, one leg circle. Virez la cuisse vers l'extérieur, on va descendre, croise, remonte. Descend, croise, remonte. Ici, ce qu'on veut, c'est que le powerhouse, les abdominaux restent bien engagés pour que le bassin soit fixé contre le sol. Il n'y a pas de mouvement qui se passe à ce niveau-là. La seule chose qui bouge, c'est le fémur, la tête du fémur dans l'articulation de la hanche, tout simplement. Croise, descend, remonte. Et là, on va faire l'inverse. Garde la cuisse tournée vers l'extérieur. On descend vers l'extérieur, croise et remonte. Descend, croise et remonte. Pense à garder la jambe au sol active, croise, descend, remonte. Les fesses qui sont engagées. On y va pour un dernier dans ce sens-là. Et en ramenant notre jambe droite vers le plafond, on switch. La jambe droite qui se dépose contre le sol, notre cuisse gauche qui est dirigée vers le plafond, bien vissée vers l'extérieur, engagez les fesses, stabilisez-vous. Descends vers le sol, croise, remonte. Les épaules sont basses, croise, descend, remonte. Pense à garder les abdominaux bien engagés, le ventre est dur, solide. Croise, descend, remonte, on y va encore pour deux. Excellent. Et là, ici, on inverse. Descend vers l'extérieur. Croise, remonte. On vient tracer des grands cercles, toujours en respectant la rotation externe au niveau de la hanche. Un dernier. Excellent. On revient s'asseoir. Et là, ici, on va aller pour l'exercice de « rolling like a ball ». Rolling like a ball, ça semble être facile quand on le regarde comme ça, mais quand on le fait, on comprend que c'est un petit peu plus tricky comme exercice. On va venir soutenir nos chevilles et on est positionné sur notre sacrum, donc l'os entre nos deux fesses. Ici, on veut que les abdominaux soient engagés, on regarde notre nombril et serrez fort les deux cuisses. On vient dérouler une vertèbre à la fois, on roule et on revient s'asseoir sur notre sacrum stable. Roule, revenez. Oups, passe-toi, baby, là, t'es pas à bonne place. Donc, on y va comme ça pour 6. On est rendu à 2. 3. 4. Et attention! Désolée hein, pour la technique, là, il y en a un qui me bloque un petit peu. On roule, une vertèbre à la fois, on revient statique sur notre sacrum. Il nous en reste 2. Super! On revient s'asseoir comme ça. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans le one leg. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire pour l'exercice. C'est pas grave, ça va me revenir. On a une jambe allongée, l'autre jambe en flexion. Passe-toi, monsieur. On vient se coucher comme ça ici. Et vous allez venir switcher. Donc, on allonge une jambe. On revient. Gardez les omoplates soulevées. On tire et on allonge. Allez tout le monde, on vient chercher de la longueur. On alterne, toujours en contrôle, gardez les fesses bien engagées. On vient alterner comme ça ici, de gauche à droite. On peut inspirer dans deux mouvements et expirer dans deux mouvements. Et
amener les deux jambes ensemble au centre, les omoplates qui sont toujours soulevées. Et on veut sentir que la pointe des omoplates, elle est déposée ou légèrement soulevée du sol. Ici, on vient allonger les deux jambes, les deux bras en même temps. Venez faire un grand cercle avec vos bras, ramenez-les sur vos chevilles. On va expirer ici, on rentre le nombril vers la colonne, ramène au centre. On allonge, ramène au centre. Allonge les deux jambes, présent la ligne centrale, ramène au centre. Et excellent, on y va encore comme ça pour deux. Et on revient au centre. Ici, ciseaux. On vient allonger la jambe gauche, la jambe droite qui est vers le sol. Tire, tire deux fois. Essaie de venir saisir ta cheville le plus possible. Ou de venir tirer le plus haut possible. Tire, tire, switch. Tire, tire, switch. Et quand on switch, on veut venir frotter les deux cuisses quasiment une contre l'autre pour sentir qu'il y a une stimulation de la ligne centrale. Tire, tire, switch. Tire, tire, switch. Tire, tire. Le bas du dos est plaqué ici puisque la tête elle est soulevée, les abdominaux sont contractés. On ne veut pas sentir que le grand droit presse vers le haut. Au contraire, on veut rentrer le ventre vers le sol. Faire le plus possible en sorte que notre ventre elle, est plat dans l'exercice. Tire, tire, switch. Tire, tire, switch. Excellent. On revient au centre. Les deux jambes qui sont allongées, les cuisses vissées vers l'extérieur. Double leg, lower lift. Ici, on vient soutenir notre tête avec nos mains. On peut même rétracter notre cou pour décompresser au niveau de la région cervicale. Presse dans la ligne centrale, garde les coudes bien ouverts vers l'extérieur puis essaie de soulever davantage tes omoplates. On descend en contrôle. Tire, ramène au plafond. Descend en contrôle. Tire, ramène au plafond. On est à 2, on se rend jusqu'à 6. 3. Viens là, stimuler tes fesses en contractant les deux fesses, en essayant de rapprocher les deux os un vers l'autre. Tu vas voir que si tu fais ça, ça va aider au niveau de l'exécution de l'exercice. Excellent. On en fait un dernier. Excellent. De là, on amène les jambes en position de flexion, en position de tablette. On y va pour criss-cross. Tourne un côté. Tourne de l'autre en essayant de garder le corps le plus solide possible au centre. On ne veut pas sentir qu'on se balance de gauche à droite. On veut sentir qu'on reste sur notre ligne centrale, qu'on travaille au centre de notre corps. Les abdominaux, les fesses travaillent pour te garder la plus stable possible. Soutiens ta tête. Tu peux essayer encore une fois de venir créer la longueur dans ton cou. Essaie de soulever le plus possible les omoplates du sol. On y va encore pour deux de chaque côté. Let's go! 4. Excellent! On vient déposer ici les pieds au sol et vous allez venir vous asseoir. Les pieds à peu près à la largeur de votre bassin. Et ce qu'on va faire, prochain exercice, ça s'appelle le spine stretch forward. Les bras sont devant. On veut engager les abdominaux ici. Le but de l'exercice, en fait, c'est de venir créer de la mobilité au niveau de la région thoracique. Souvent, on a de la mobilité dans le bas du dos, mais le haut du dos, lui, c'est un petit peu plus raide. Donc, les bras devant. Ce qu'on va faire, on expire, on plonge le regard qui est tourné vers le nombril et le bassin lui reste fixe. Vous allez voir que c'est simplement le haut du corps qui vient faire une flexion. Et on revient en extension. Expire en plongeant pour engager le transverse. Reviens en position assise. Les épaules doivent être basses ici. On ne veut pas sentir qu'il y a des tensions au niveau des trapèzes. Expire. Engage les abdominaux. Il semble que le bassin est très stable. On peut même engager les fesses pour sentir que le bas du corps est solide comme un bloc de béton. Expire, plonge vers l'avant. Quand on fait cet exercice-là, sans bien contracter, on a l'impression de rien travailler du tout. Mais quand on pense à expirer, engager les abdominaux, en venant faire une rondeur dans le haut de notre dos ici, on va sentir beaucoup de travail au niveau abdominal. J'espère que c'est le cas pour vous à la maison.
Encore une fois, dernière fois ici, on plonge. Et on revient en position assise. De là, je vais vous faire saisir vos chevilles. Donc, on vient saisir nos chevilles. Et une jambe à la fois, en étant assis sur notre sacrum. Très important, les épaules sont basses. On va venir allonger une jambe, allonger l'autre. Et simultanément, on vient soulever les deux jambes. Open leg, rocker prep. Les épaules sont basses. On engage les abdominaux. On est en équilibre sur notre sacrum. Essayez d'imaginer que vous avez un diamant au niveau du cœur que vous voulez faire briller, shiner devant vous. Et on ramène les deux jambes ensemble. On vient se coucher sur le dos. Ici, amenez une flexion au niveau des chevilles. Les cuisses qui sont vissées vers l'extérieur, on s'en va pour corkscrew, le tire-bouchon. On vient tracer un cercle dans un sens. Un cercle dans l'autre sens. Cercle dans un sens. Cercle dans l'autre sens. Pour vous aider, pensez à venir presser les deux cuisses une contre l'autre. Ça devrait travailler dans vos adducteurs, les muscles à l'intérieur de vos cuisses. Également au niveau des abdominaux pour faire en sorte que ce soit très stable dans ce que vous faites. Excellent tout le monde. On revient s'asseoir, les pieds à peu près à la largeur de votre tapis. Et ce qu'on va faire ici, c'est un exercice pour venir mobiliser la colonne vertébrale et venir engager les abdominaux. C'est un exercice de respiration. C'est l'exercice de la scie. On a les épaules basses. Engage les abdominaux, le nombril toujours qui tire vers la colonne. Inspire ici. Puis à l'expire, on plonge. On vient scier l'extérieur de notre petit orteil trois fois. Inspire, reviens au centre, allonge la colonne. Expire, viens plonger en sciant trois coups. Inspire, reviens t'asseoir, pivote sur toi-même. Très important que les pieds restent solides ici. Si vous pivotez et que le bassin tourne en même temps, c'est que les abdominaux ne sont pas engagés. Donc ici, là, il n'y a rien qui se passe. C'est au niveau du haut du corps que ça se passe. On inspire en rotation, puis on expire, 6 trois coups. Reviens en entrant toujours le nombril vers la colonne, on pivote. On s'en va de l'autre sens. 6 trois coups, reviens. On y va une dernière fois de chaque côté. 6, reviens au centre, on plonge. Excellent tout le monde. De là, on va aller se coucher sur le dos. Et on va aller faire quelques exercices. Là, on était beaucoup dans la série qu'on appelle Peak Pilates, dans la formation que j'ai fait, il n'y a pas si longtemps. Puis, là, on va sortir un petit peu de cette routine-là, juste pour aller travailler nos abdominaux, travailler nos jambes. Okay? Et c'est là qu'on va avoir besoin de notre bande élastique, si vous en avez une, bien sûr, pour les jambes. Sachez que ce n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé, surtout si vous êtes débutant, vous voulez juste commencer à adopter les exercices, allez-y sans élastique. Sinon, on peut venir mettre un élastique au niveau du dessous de nos genoux ou au niveau du dessus de nos genoux. Je vous donne les deux options. Il y a également au niveau des chevilles. Très important, si vous avez des douleurs dans les genoux, on y va au dessus du genou pour ne pas amener de contraintes inutiles au niveau de l'articulation. Si ça va, vous n'avez pas de problème dans les genoux, on peut y aller en dessous. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus difficile, on y va au niveau des chevilles. Plus on éloigne notre tension de notre centre de travail, qui est notre nombril, ben plus ça augmente la difficulté. Okay? Donc, on s'en va se coucher sur le dos. Le bas du dos ici, on va vouloir le garder en position neutre pour débuter. Normalement, quand on fait ce type d'exercice-là, la série de jambes qu'on va faire, on garde les cuisses collées. Mais là, je veux qu'on ait travaillé plutôt au niveau des moyens fessiers et moins à l'intérieur de nos jambes. On tourne les cuisses vers l'extérieur. Et ce que vous allez me faire, en gardant la jambe gauche active qui reste droite, on va presser avec notre jambe droite vers le sol. Ramène. Presse avec l'autre jambe vers le sol. Rappelez-vous que les abdos sont engagés, les fesses sont engagées avec la rotation externe. On contrôle ce qu'on fait. Pas besoin d'y aller rapidement.
Essayez de ne pas bloquer les genoux non plus pour être en hyperextension. Garde une légère flexion au niveau de l'articulation du genou. Allez, on y va encore pour deux de chaque côté. Un dernier. Dernier de l'autre côté. On revient au centre. Ici, normalement, Beats, ce qu'on fait, c'est qu'on vient presser vers l'intérieur pour venir stimuler l'intérieur de nos cuisses. Là, on va faire l'inverse. Donc, en descendant, on va pousser vers l'extérieur. Gardez les cuisses vissées, on presse. On descend à peu près 8 petits coups vers le sol, 8 petits coups en remontant. On y va encore une deuxième fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le bas du dos reste neutre, les abdos s'engagent. Si vous venez arquer trop, diminuez votre amplitude d'exercice. On y va une dernière fois comme ça. Les cuisses toujours vissées vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Maintenant, on va faire le walking. C'est 8 petits pas vers le bas, 8 petits pas vers le haut. Ça engage un petit peu plus de muscles et c'est un petit peu plus difficile avec la bande élastique. Toujours les cuisses tournées vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super tout le monde. Maintenant, on va tirer nos talons vers nos fesses et on amène notre bande élastique au-dessus de nos genoux. Pour tout le monde, que vous ayez des problèmes ou non de genoux, on l'amène là. Ce qu'on veut ici, en gardant les talons connectés, on veut presser les cuisses vers l'extérieur pour venir engager les fessiers. Les abdos toujours engagés également. On s'en va dans l'exercice du frog. Les talons restent toujours connectés pour venir chercher du travail dans notre ligne centrale. On allonge les jambes, on ramène. Et là, on a la résistance de l'élastique qui nous fait travailler autant les moyens fessiers que l'intérieur de nos cuisses lorsqu'on allonge les jambes. On est pressé contre l'intérieur de vos cuisses. Puis, on ramène les talons vers les fesses. Essayez d'exagérer votre mouvement d'ouverture dans les hanches pour faire davantage travailler vos fesses. Allonge. Reviens. Allonge. Et reviens. Rappelez-vous que le bas du dos est toujours neutre. Il ne devrait pas avoir de mouvement à ce niveau-là si les abdominaux sont bien engagés. On allonge. On revient. Et on y va comme ça encore pour toi. Deux. Un. Excellent. Ça va bien tout le monde. Maintenant, on va enlever ça. Et on va aller se coucher sur le côté gauche, sur notre hanche gauche. Est-ce que ça va bien tout le monde? Est-ce que j'ai des petites questions? Ça a l'air d'être correct. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on est couché sur le côté de notre hanche, sur la hanche gauche en fait, et on va amener nos jambes vers l'avant pour venir créer une espèce d'arc avec notre corps. Et on se dépose la tête dans notre main, comme ça ici. On visse les cuisses vers l'extérieur, toujours pour engager les fessiers. Et la jambe supérieure, vous pouvez la glisser légèrement pour essayer de venir empiler les deux hanches une par-dessus l'autre. Ce qu'on veut que ça fasse finalement comme position, c'est que lorsque vous êtes couché sur le côté, il y a un petit creux qui s'installe au niveau des hanches. On ne veut pas être affaissé dans la posture, on veut engager les obliques. De là, la cuisse supérieure qui est toujours vissée vers l'extérieur, la jambe également contre le sol, on va venir soulever et juste faire de légers battements. OK? Donc, ici, là, ça va être intéressant d'aller travailler ce qu'on appelle tous les muscles stabilisateurs du bassin. Ici, spécialement, le moyen fessier qu'on s'en vient travailler. Moyen fessier avec un petit peu de grand fessier puisqu'on est en rotation externe, mais c'est principalement
le moyen fessier. Puis ça, c'est important de le travailler parce que souvent, dans la vie de tous les jours, ce qu'on fait comme exercice, c'est des mouvements avant-arrière. Mais rarement, on va aller stimuler intérieur-extérieur des cuisses, ce qui fait que souvent, quand on va commencer une activité, exemple de la course, bien, on manque de stabilité au niveau des hanches. On manque de stabilité au niveau du bassin, puis ça peut créer des troubles musculo-squelettiques. OK, donc on fait des petits battements comme ça. Rien de très compliqué. Et là, ce que vous allez me faire, vous allez soulever le pied à peu près à la hauteur de votre hanche. On va tourner la cuisse vers l'extérieur. On la tourne maintenant vers l'intérieur. On veut que la jambe reste toujours à la même hauteur. On pivote vers l'extérieur, vers l'intérieur. La main qui est déposée comme ça en avant peut vous aider à vous stabiliser dans l'exercice. Pensez à engager les abdominaux profonds. On pivote vers l'intérieur, vers l'extérieur. Allez tout le monde. Le regard reste vers l'avant le plus possible pour permettre de cassure au niveau de la colonne cervicale. Les épaules restent basses. Rappelez-vous ici qu'il y a une contraction au niveau des obliques. Excellent. On revient au centre et là, vous allez venir me tracer des petits cercles. OK? Donc là, la jambe, en ce moment, je la veux droite. On n'a pas de rotation dans la hanche. Ça va venir. On vient tracer des petits cercles avec la jambe qui est droite. Et on va inverser les cercles maintenant. Donc, si c'était des cercles qui allaient d'en avant vers en arrière, on fait le principe inverse. Gardez toujours votre jambe au sol en rotation externe pour vous permettre de vous stabiliser davantage. On revient en position statique. Tournez la cuisse vers l'extérieur. Et là, on va refaire nos cercles avec la rotation externe un peu plus difficile. On fait 6 cercles. Dans un sens. 6 cercles dans l'autre sens. Excellent. Et là, ici, en gardant notre rotation externe, je vous invite à tirer la jambe comme ça en flexion. On vient allonger la jambe vers le plafond. On descend. Toujours en gardant cette ouverture-là dans le bassin, on tire. Allonge. Contrôle la descente. Tire. Allonge. Contrôle. Ici, ce qu'on veut vraiment retrouver dans notre exercice, c'est qu'il y a beaucoup de stabilité dans ce qu'on fait. La seule chose qui bouge, hein, c'est la jambe supérieure. Tout le reste du corps, lui, est stable comme un bloc de béton contre le sol. Excellent. Maintenant, en gardant la jambe environ... Le pied environ à la hauteur de notre hanche. La cuisse toujours tournée vers l'extérieur. Vous allez me faire kick, kick vers l'avant. Kick, kick vers l'arrière. Kick, kick avant. Kick, kick arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Dernière fois avant. Dernière fois arrière. Et ici, maintenant, la jambe supérieure, on va la porter devant nous. Et la jambe qui était contre le sol, on va venir la faire travailler légèrement en pressant le pied, la cuisse vers le plafond. Et ici, essayez de penser à travailler de manière proximale à distale. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas le pied qu'on veut simplement lever, c'est l'intérieur de la cuisse. Donc, on pense à venir squeezer l'intérieur de la cuisse pour lever notre jambe. Excellent. On y va encore pour 3, 2, 1. Beats on belly, on switch. On vient se coucher sur le ventre. Les abdos sont engagés, les épaules sont basses. Les cuisses en rotation externe, on vient faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va tourner sur notre hanche droite maintenant. Donc, sur notre hanche droite, on a encore notre tête qui est appuyée dans notre main, les pieds sont dirigés vers l'avant. Les abdos bien engagés, les cuisses tournées vers l'extérieur. On est soulevé, premièrement, notre pied et on va venir faire quelques petits battements pour venir réchauffer notre hanche. Donc, pensez à garder les abdos toujours bien engagés dans votre exercice. Les fesses également engagées. On imagine que les deux os veulent se rapprocher un de l'autre. Ça va faire en sorte que votre bassin va être beaucoup plus stable. On lève et on descend en contrôle.
Ce que ça peut faire, c'est commencer à venir chauffer dans le côté de votre hanche. Tout à fait normal. C'est exactement là, en fait, qu'on veut travailler. Après ça, on revient. Comme ça ici. Rotation vers l'intérieur. Rotation vers l'extérieur. Ça se peut que pour certaines personnes, il manque de mobilité à ce niveau-là. Si vous avez beaucoup de tension au niveau des hanches, fort possible que ça bouge moins bien. Fait que c'est un signe peut-être aussi d'aller étirer, d'aller mobiliser cette région-là pour vous. On tourne de l'intérieur vers l'extérieur, squeezant les fesses, en gardant notre powerhouse bien engagé, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le haut du corps qui est tout de même assez relax. Super! On revient porter notre jambe droite. Donc on ne veut pas ici qu'il y ait de rotation interne ni externe dans la hanche. Ce qu'on va faire, c'est des petits cercles dans un sens. J'espère que ça va bien à la maison, ne lâchez pas. Et là, ici, on va inverser nos cercles. Excellent. Maintenant, on va tourner notre cuisse vers l'extérieur. Et on va venir tracer nos cercles. 3, 4, 5, 6, 7. Un petit dernier. Et on va inverser. Donc dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Revenez au centre ici. La cuisse qui reste tournée vers l'extérieur, on vient faire kick, kick avant, kick, kick arrière, kick, kick avant, kick, kick arrière. Allez, toujours en stabilisant le plus possible. Les abdominaux travaillent présentement pour faire en sorte que vous ne vous promeniez pas d'en avant vers en arrière sur, d'en avant vers en arrière sur votre tapis. Excellent. Et on revient ici. On amène notre jambe du dessus devant nous et avec notre jambe inférieure, on vient soulever, on presse vers le plafond. Rappelez-vous que c'est l'intérieur de la cuisse qu'on vient presser, contracter vers le plafond et non pas juste la cheville qu'on vient soulever. Come on, tout le monde, on lâche pas. Dernier. Super. Et là maintenant, puisqu'on a travaillé quand même raisonnablement le bas de notre corps, nos abdos, nos fesses, maintenant pour le temps qui reste, donc un bon 10 minutes où on va aller travailler le haut de notre corps. OK? Ici, ce que vous allez avoir besoin, c'est d'une bande élastique. Si vous en avez une qui est format long, ça fait exactement la même chose. Donc, juste pour vous montrer là, si vous avez une bande élastique de ce type-là, ça va faire exactement le même travail. Ce qu'on veut aller chercher surtout, c'est du travail au niveau des rotateurs externes de l'épaule et les muscles entre les deux omoplates. Donc, si vous avez une bande comme ça, fermée, on vient placer nos poignets dedans et on veut venir faire une pression extérieure, tout simplement pour venir sentir qu'il y a du travail à l'arrière de nos épaules. Okay? Si on a une bande comme ça ici, on prend notre bande élastique qu'on va presser vers l'extérieur. D'accord? Les deux cas, ça marche. Et là, ici, en posture assise, les pieds environ à la largeur de votre bassin, on engage les abdominaux, on vient s'asseoir surtout sur notre sacrum. Donc, le bas du dos, ici, on a notre courbe C. On pense à venir fermer nos côtes vers le bassin, mais on ne veut pas être arrondi dans nos épaules, on veut ouvrir nos épaules. Donc, les abdos sont engagés, le haut du corps, lui, on tend à venir le travailler. Les coudes restent à peu près à la largeur de vos épaules et c'est les mains qu'on presse vers l'extérieur pour engager les muscles en arrière de nos épaules. Ici, très important de décharger nos trapèzes. On ne veut pas avoir la tête rentrée comme ça dans nos épaules. Ici, en pressant vers l'extérieur avec votre bande élastique, on monte légèrement
on descend. Donc, maintenant, c'est la seule chose qui bouge dans votre mouvement, c'est l'articulation de l'épaule. Une articulation qui est très, très instable chez nous, les humains. Donc, super important d'aller renforcer ça pour éviter de se blesser, de développer des troubles musculo-squelettiques à l'épaule. On presse de haut en bas. Donc, ça se peut que vous veniez un petit peu fatigué au niveau des épaules, au niveau des deltoïdes, mais également au niveau de la poire des rotateurs. C'est tout à fait normal, c'est direct ça qu'on travaille. Okay? Souvent, on est faible en plus de cette région-là. On a le devant qui est très, très contracté, puis le dos qui n'est pas assez fort. Donc, c'est une belle solution ici pour aller renforcer le haut du corps, garder la taille en prolongeant la colonne vertébrale. On monte et on descend. On y va encore comme ça pour 3, 2, 1. Excellent. Si vous avez la bande élastique ici en longueur, je vais vous montrer pour le prochain exercice qu'on va faire. On concerne notre posture assise. On est toujours sur notre sacrum. Ce qu'on veut faire, c'est une rotation sur soi-même. Lorsqu'on atteint notre maximum en rotation, notre bras extérieur va presser vers l'arrière. Notre bras qui est plus près de soi, lui va rester statique. Donc, je pivote de l'autre côté. Quand j'ai atteint mon maximum en torsion, je presse ma main externe vers l'extérieur. Donc, c'est pas compliqué. Si je tourne vers la gauche, c'est ma main gauche qui va presser vers l'extérieur. Ma main droite, elle reste stable. C'est mon point fixe, mon point d'ancrage. Si je tourne de l'autre côté, côté droit, c'est mon bras droit qui va presser vers l'extérieur. On se rappelle de décharger les épaules. On veut de l'espace entre nos oreilles et nos épaules en tout temps. Même principe ici, si j'ai ma petite bande élastique en format brocoli. Les bras sont devant, je vais pivoter. Mon bras extérieur va presser vers l'arrière. Je reviens au centre en contrôlant toujours ce qu'on fait, gang. On pivote, presse vers l'extérieur. Reviens au centre. Tourne de l'autre côté, presse. Good job. Allez, on y va pour 2 de chaque côté. Good. Ça va tout le monde? Il va nous rester une dernière petite section d'exercice au sol pour aller travailler le bas de notre dos et le haut de notre dos également. On est couché sur le ventre, les pieds environ à la largeur de nos hanches. De là, ce qu'on va faire, on va mettre les mains juste en dessous des aisselles et on veut aller renforcer le bas du dos, le haut du dos, mais sans aller dans une extension thoracique comme ça, qui ne force absolument rien, ok? Ce qu'on veut, c'est, dans notre position, de faire notre bascule de bassin, de ramener os pubien vers le nombril. Donc, il y a du travail abdominal qui se fait. Quand ça ici s'est engagé, ça va limiter l'extension au niveau lombaire et on va plutôt aller chercher une extension thoracique. Vous allez voir, ça limite énormément l'extension, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on veut. On veut pas que ça soit une extension lombaire, on veut que ça soit une extension thoracique au niveau de la tâche de la brassière. À peu près dans ce coin-là pour les femmes. Les hommes, vous devez savoir à peu près c'est où aussi. Les mains contre le sol, les épaules sont basses. On peut penser même à ramener légèrement les omoplates une vers l'autre. Gardez les abdominaux engagés, c'est comme si le nombril flottait au-dessus de votre tapis. On presse légèrement avec nos mains contre le sol. La tête est dans le prolongement de la colonne. Les épaules sont basses. Vous devriez sentir ici beaucoup plus de travail entre les omoplates, dans le milieu du dos et presque pas dans le bas du dos. Pourquoi? Parce que les abdominaux vous empêchent d'aller en extension, extension lombaire. De là, en gardant ce travail-là du haut du corps, on va soulever les mains du sol pour avoir les avant-bras parallèles au sol. Tire les coudes vers les côtes.
Garde toujours les abdominaux engagés, ça va devenir un petit peu plus difficile ici. Allonge les bras devant, va chercher loin vers l'avant. Ça se peut que la poitrine tente à se déposer un petit peu contre le sol, c'est normal. Ramène les coudes vers la poitrine, engage les fesses, engage les abdominaux. On veut toujours aller chercher du travail entre les deux omoplates. Rappelez-vous de ça, on cherche loin vers l'avant. Ramène les coudes près du corps. Et là, n'oubliez pas de respirer ici. Le regard est tourné vers le sol pour ne pas amener de force ou de contraction inutile au niveau des occipitaux. On ramène près du corps sans chercher à faire une extension lombaire. Tire les coudes vers les côtes en gardant les épaules basses, la région du cou qui est dégagée. Super tout le monde. On y va une dernière fois comme ça. Et ensuite, on ramène les bras près du corps. Les mains sont toujours flottantes au-dessus du sol. On vient faire des petits cercles. Donc, c'est comme si on venait frotter notre tapis, notre sol, en faisant des cercles, soit dans le sens horaire ou anti-horaire. Vous allez sentir du travail entre vos deux omoplates ici et également au niveau des rotateurs externes. Super intéressant comme exercice. Inverse les cercles. Profite-en là, quand tu ramènes les coudes près du corps pour squeezer les omoplates une contre l'autre. Super, on peut déposer les mains contre le sol et venir pousser les fesses vers l'arrière pour venir relaxer le dos dans la posture de l'enfant. Good job tout le monde! Il est déjà rendu 12h50, donc on a terminé notre cours d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait du bien. Sachez que vous allez pouvoir le refaire en tout temps, ce cours-là, plus tard. J'en vois quelques-uns qui n'ont pas pu le faire au complet ou qui m'écrivent pour me dire qu'ils vont le faire plus tard. C'est parfait. C'est pas grave si on n'est pas là live pour le faire. Ça donne pas toujours à tout le monde à cette heure-là. Donc, bonne journée. Profitez-en bien. Prenez soin de vous. Sachez qu'il y a une respiration consciente en ligne ce soir sur la plateforme Zoom. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés à faire cette respiration-là, à découvrir c'est quoi les cérémonies du souffle, vous êtes les bienvenus à participer. Juste à m'envoyer un message en privé, c'est une contribution de 12$ pour cette pratique-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, profitez-en, puis on se revoit tout bientôt.